Hello tout le monde, c'est Damona, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Random Challenge. La dernière fois, on avait, les deux fois d'avant, on avait continué l'exploration du QG de la Team Galaxy. Oh. Ah merde, oui c'est ça, faux force je pense. Je vais regarder pendant que je vous parle au début. Je regarde si je l'avais. Oh. La dernière fois, donc du coup, on avait exploré l'entièreté du. Villaroc au 7ème badge, on en était où nous? On avait fait le QG de la team Galaxy. Hop là, on en a 7 qui sont un peu crado. Hop là. Donc du coup, on avait fait tout le QG de la team Galaxy. On a vu que Helios, le grand chef, était un peu pas mégalo, mais il veut créer un monde un peu que pour lui, quoi. La team Galaxy, il s'en fout un peu. Le peu de scientifiques qu'on a croisés, ils nous ont dit « Ah ah, ça me gêne un peu ce qu'on fait, genre c'est pas ouf et tout. » Même moi, qui adhère à la cause, ça me chiffonne un peu. Et on a été dans une salle où en fait on a trouvé les trois elfes en fait dans une sorte de petite cuve un peu. Donc Créelf, Créfalé et Créfolé et Créfadet. Qui faisaient l'objet en fait d'expérimentations scientifiques. En fait, ils ont prélevé les espèces de cristaux, je crois, si j'ai bien compris, qu'ils ont sur la tête, pour en créer une sorte de chaîne pour capturer le Pokémon, un Pokémon apparemment, je crois. Et donc du coup, ils les ont un peu torturés, quoi, et nous, on les a libérés. Mon couronné, moi je veux. Hop là. Pour atteindre le sommet du mont couronné, vous devez passer par la partie sud. Voler par exemple à Charbourg et dirigez-vous vers la route 206. Munissez-vous impérativement surf, force et escalade. On va regarder ça. Let's go. Ok. Donc du coup, par le côté sud, vers Charbourg, c'est où ça, Charbourg? C'est là, genre. Ouais, c'est ça. Et puis après, hop, et tu montes par là-haut. Donc ça veut dire qu'il faut que je retourne en arrière. Oh là là, puis pour viser, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Hop, on va prendre du coup un Pokémon vol pour aller jusqu'à Charbourg. Je vous fais pas l'affront de changer le fond d'écran là avec mon équipe parce qu'on va la rechanger direct. Hop là, surf, du coup on est bon. Escalade, on est bon avec ma mochon. Enfin, là du coup il n'y est plus, mais vous avez capté. Et force, je sais plus, je crois qu'il était sur. Sur le petit là, comment qu'il s'appelle? Je vais vérifier. Oui, je me trompe.
Ouais, c'est ça, il a escalade. Donc lui, on le garde, sûr et certain. À la place de lui. Et on prend... Je crois que c'est lui. Ah non, il a éclatrope, lui. C'est lui qui a force. Ok. Tengelis. À la place de qui je décide de te mettre? Pas lui, pas lui, ça c'est sûr. Donc forcément un D3. Je trouve que Parasect, il est assez bas niveau pour ce qui nous attend. Donc je vais l'échanger. Et je vais lui prendre son objet. Oui. Et je vais le redonner à lui. Ou peut-être à lui. Ouf. Ah merde, je peux pas aller jusqu'en haut. Vous savez faire en haut pour aller tout en bas. Hop là. Parce que 38, 39, 38, 39, 41. Ok, ils sont tous un tout petit peu moins du niveau 40. Je vais juste les changer d'ordre encore une fois. Ah non, ça va le faire. Je vais les soigner par contre. Comme ça, au moins, je suis sûre et certaine. Pin, 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 pin. Hop là. Donc, j'ai mis Tengelis. Ok. À une autre fois, peut-être. Oui, peut-être un jour. Hop là, donc faut que je monte, je crois, si j'ai bien compris. Et là, faut que je monte à partir d'ici. Si je veux pas me faire trop me faire chier. Bicyclette, elle était sur mon Y. Ah non, il va être là le mont couronné. Merde, conseiller dresseur. Oui, trop chiant. Route 206. Non, je veux savoir où qu'on est. Parce que je veux pas continuer et me rendre compte qu'on n'est pas dans le bon sens. Ouais, voilà, c'est ça. Hop, donc c'est par là. Mon couronné, c'est ça. Et là, faut qu'on fasse first surf à partir d'ici. Je pense qu'il faut qu'on fasse le... Merde. Est-ce que j'ai attrapé des Pokémon, mon couronné? Je pense que oui. Puis, oui. Mon couronné, nature au sol. C'était Tauros. Oui, bah voilà. Hop, Crogivre, ça devrait le faire. Pas très efficace, mais trust the process. Je vais juste retourner là pour avoir la Pokéball. Flûte blanche. Elle va être rangée où? Attire les Pokémon sauvages. Ah bah du coup non. Oui, escalade. Pierre nuit, d'accord.
Oh mon Dieu. Oh. Dommage. Dommage, dommage, on a déjà chopé Tauros en fait. Ça va super mal. Et là, ça va faire absolument pas mal. Je sais pas trop qui mettre, mais bon. Parce que là, ça peut être un bon moyen d'avoir de l'XP. Voilà. Pas tant que ça. Pas ouf. Oui. J'espère que je vais au bon endroit. Oh. Roserade. Je pense que je vais fuir. Parce qu'à force, faut qu'on avance un petit peu dans le... Fuite impossible! Putain. Bon, de toute façon, lui, voilà. Ah. Ok. Potion. C'est encore un roserade. Oh non, Fionn! C'est un Pokémon légendaire, ça aussi, un peu. Mais vas-y, fuite. Déjà que pour un Sulfura, on a eu à peine plus d'XP pour un combat normal. Par contre, je suis pas sûre. Alors. Surfer en haut de la salle, puis utiliser la CS Escalade dans le reste de la salle. Ça, c'est bon. Dans la salle suivante, allez au nord pour parler à Belladonis. Là, il faut qu'on monte jusqu'en haut, quoi. Est-ce qu'on peut fuir ou pas? Par contre, genre, on fuit, ils nous disent fuite impossible et on se fait défoncer. On n'a pas le temps, genre, ils nous disent pas, bah tu peux pas fuir, MDR, fais quand même une attaque. Non. On me tape. Tout ça pour ça. Pardon, je viens de taper dans le micro. On va finir par mettre un repousse, hein. Ah oui, c'est là-haut. Carbone. C'est là, là, si j'ai bien compris. Il faut qu'on aille dans cette porte-là. Léviator! On va fuir tout le monde, hein, je suis désolée. Mais au bout d'un moment, faut qu'on avance. Hein. Encore un Sulfura. J'espère qu'on ne va pas le coup battre. Merde, que je fasse pas trop de retour en arrière parce que. Ok. Tank, tank, tank. Regarde-moi un peu ce trou. Avant, il y avait là un mur avec une peinture rupestre bloquant l'accès au sommet. Mais le mur a disparu, il a été brisé en petits morceaux, tu vois. Depuis que les trois Pokémon lacustres ont été capturés. Je ne sais pas de quoi il retourne au juste, mais quelque chose de terrible est en train de se produire.
Il n'existe qu'un seul responsable, Helio, de la Team Galaxy. Nous ne pouvons plus faire marche arrière, autant avancer. As-tu assez d'expérience pour y arriver? Montre-moi. Ah ah, tu peux te détendre à présent, je comprends tout désormais, tu as bien plus de talent que moi. Tout comme les commandants et Helio, bien entendu. La Team Galaxy est trop forte pour moi. Tu dois les arrêter, tu es la seule personne à en être capable. Tout ce que je peux faire, c'est te donner ceci. Je l'ai trouvé au cours d'une enquête il y a bien longtemps. Flûte noire. Mets fin aux exactions de la Team Galaxy, je t'en prie. Ça fait quoi? Flûte noire. La flûte en verre soufflée noire dont les notes aident à repousser les Pokémon sauvages. Ok. Parce que autant qu'on puisse avancer en fait un peu là, parce que... Ah et là il y a des choix, mais je pense qu'il faut qu'on monte. Encore une fois, aller vers le nord. Ouais bon, il y a des gens de la Team Galaxy sur le passage. Je vais la combattre, ça va faire un petit peu d'XP. Ici, les sbires ont deux tâches. La première, c'est de s'assurer du succès de notre opération au sommet, et la deuxième, de se débarrasser de tout intrus tentant d'intervenir. Vas-y. Un seul Pokémon, ça devrait le faire. Un cher mignon qui est mort au bout du rouleau. On va le soigner. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Je pense que j'aurais pu le faire entre les combats quand même. Ouais, par contre, c'est pas très efficace parce que bon. Ok. Au revoir, genre mignon. Oh, c'est de la merde. Oh, lui. Ouais, de toute façon, je pense que c'est un peu impossible. Mon heure et notre heure est venue, pardon, l'heure de la Team Galaxy. Galifeu. Merde. Oh, c'est pas grave. Allez hop, au revoir. Il n'y arrivera donc jamais. Bah écoutez, je suis trop forte, je suis trop forte. Quoi? J'avais mis un truc pour repousser. Fouinette. Elle a une drôle de couleur, non? Elle est pas shiny? Je sais pas. Bref. J'ai pas fait gaffe. Dehors. Oui, nous sommes dehors. Hop, et là je vais par là. Non, ça c'est des rochers normaux, j'ai eu très peur. Est-ce qu'il faut rentrer par là?
Ah non, c'est pas là qu'il faut aller. Utilisez les escalades, suivez le chemin qui vous est imposé, descendez les escaliers et sortez. Inutile d'entrer dans... Ah non, ça c'est quand on est à l'intérieur. Inutile d'entrer dans la grotte en contrebas. L'issue à l'intérieur est bloquée par un membre de la Team Galaxy. Poursuivez plutôt votre route en utilisant escalade sur le mur de gauche. Mur de gauche? Quel mur? Ça là, on continue de monter? Bah non. Poursuivez plutôt votre route en utilisant escalade sur le mur de gauche. Continuez votre route jusqu'à cette grotte, mais cette grotte, elle est où? Parce que là, je suis au même endroit que le... Ah pardon. Voilà l'extérieur. Prenez le chemin avec les hautes herbes. Utilisez escalade une fois au bout. Allez à gauche et rentrez dans la grotte au bout. Oui, donc en fait, la grotte où j'étais devant, là, c'était bien ça. Je peux monter là-bas, donc je suis pas obligée de me farcir toute l'herbe. Oh! Est-ce qu'on le compte? Vu qu'on est dehors. Ouais, c'est la haute herbe. Mon couronné, moi je dis ça marche, hein, on est dans les hautes herbes. C'est pas ici que je devais marquer, tranquille. J'écris. Hop. Et c'est Krabby. Merde. Hop là, Krabby. Est-ce que je l'ai attrapé pour l'instant? Non. Niveau 40, il est déjà bien. Hein. Je pense que je peux y aller en termes de pour le taper. Et au pire, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, je pense qu'on arrive à la fin de l'épisode, là. Non, ça va, il y a encore un peu le temps. J'ai encore le temps de me perdre dans le mont couronné. Tauros, il engrange de l'XP, mais par contre, pour monter de niveau, il n'y a plus personne, quoi. Rentrer dans la grotte au bout, c'est bien ça. Utilisez escalade, suivez le chemin qui vous est impensé, descendez les escaliers. Je peux passer derrière lui, non? Parce que là, ça me saoule un peu. Ouais. Oh! Quand c'est pas les sbires, c'est... les Pokémon. Oh! Togekiss. Je vais continuer de fuir, voilà. Je vais pas tourner la tête. Prenez les escaliers et descendez. Je pense qu'il parle de ça. Ouais, voilà. Et de toute façon, on peut rien faire. Hop là, donc on ressort. Hop là, ouais. Là, je m'en rappelle. Là, il y a une grotte, mais c'est pas celle-là. Inutile d'entrer dans la grotte en contrebas, l'issue à l'intérieur est bloquée par un membre de la Team Galaxy. Poursuivez votre route en utilisant l'escalade sur le mur de gauche. Donc c'est là. Là je lis une soluce parce que c'est compliqué. Enfin c'est compliqué. Voilà. Continuez votre chemin jusqu'à cette grotte. Elle est où cette grotte?
J'ai l'impression que c'est un peu le même chemin. Voilà, c'est ça. Sauf que je me fais pas chier à traverser des hautes herbes. Ok, donc on est censé rentrer là-dedans, du coup. On va y arriver, hein. Le bon suspense voudrait que je termine l'épisode juste avant Corbos, pas mal. Oh, je pensais qu'elle allait pas nous voir, mais si. Notre chef fait un truc super important au sommet, mais moi je dois m'occuper d'une sale petite fouine. Tu gâches l'ambiance, rends-moi service, tu veux. Meurs en vitesse. D'accord. Bah contre. Ah. Comment ça l'affecte pas, ça affecte pas le type. Ah, ça va être un mec chiant. Prendre du Dicolo. Avec un peu de chance. Si c'est un type spectre, ça peut peut-être taper fort. Ah, peut-être pas. Ça peut, c'est sûrement ça. Ok, pas très efficace. Décède, s'il te plaît. Merci. L'ombre, non. Pas très efficace, ok. Mais l'ennemi à la trouille, let's go. Pas très efficace non plus. Enfin, c'est pas très efficace, mais en fait, je voulais voir si ça faisait baisser plus ou moins, genre est-ce qu'il est plus physique ou spé. Apparemment, ça change R. On m'a battu le sbire. On n'était pas censé perdre tranquille. Oh, j'en ai marre. Bastiodon. Est-ce que je peux passer derrière lui? Non. On va être obligé de le combattre. Ça me saoule. Parce que là on arrive à la fin. La Team Galaxy va prendre le contrôle de tout. Tu auras beau essayer, un individu isolé n'est pas de taille contre nous. Ok. Remoraide. Deux Pokémon, ok. Hop là. Reliquante. Ça va être trop chiant. Ça va. Ça m'a fait baisser. Oh putain. Ce qui serait trop bien. Bon, de toute façon, là, il pourra pas nous tuer à moins qu'il nous fasse un giga coucou.
tactique. Contre là. Voilà, comme ça t'es plus qu'à 25 PB. Dans le rouge, on devrait le tabasser. Même pas, nickel. Oh, par contre, il a qu'une attaque, c'est chiant. On va changer pour... Mamochon. Aucune conviction là-dedans. Ok, donc il est clairement type insecte. Je sais pas ce qui est fort contre le type insecte. Visiblement pas psy, normal. Putain. Ça aurait été trop bien hein, si ça l'avait rendu confus, mais non. Bien sûr que non. On va se lancer sur un taureau, ça, mon dieu, l'enfer d'en être rendu là. Hop, après un petit surf. Si on a le temps, hein, parce que visiblement ça tape fort. Ce qui est bien, c'est qu'on tape quand même en premier. Reliquant est très très lent. Meurs pas, s'il te plaît. Oh putain, à deux doigts d'être niveau 39. Oh mon dieu. En plus, il est même plus pris dans le claquoir, du coup, à deux PV de le tuer. Eh ben... Tout ce que tu m'as fait connaître, c'est le goût de la défaite. Bah ouais. Et ouais, mon gars. Oh, Dieu. Je vais à la prochaine salle, je vois à quoi ça ressemble. Et on s'arrêtera là. Ok. Waouh. Je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que là, je vous avoue, j'ai pas envie de continuer. Ça commence à être long, on est déjà plus de 30 minutes. J'espère que cet épisode vous a plu, cette petite exploration approfondie du Mont Couronné, où j'ai perdu pas mal de Pokémon. Hein. J'en ai perdu 3, mais bon, on va dire que Tengalis y compte pas, donc il me reste plus que Ludicolo, qui est mal en point et qui est morse, et à deux doigts de décéder. Donc ça va être sympa. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire si vous avez quoi que ce soit à dire, toujours dans la bienveillance, d'accord, hein, comme d'habitude. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour pas louper la suite tous les mardis à 17h, comme d'hab depuis le tout début de ma chaîne. Voilà. Et d'ici la prochaine fois, portez-vous bien. Bye.